Coucou, aujourd'hui ouverture, hein, ouverture de colis, ouverture de courrier. Je vais commencer par les deux courriers et on fera le colis après. Voilà. Donc là j'ai une ouverture à vous faire, mais les petites accroches, ça a percé l'enveloppe, ça arrive, hein. Nathalie, elle. Du 72. À l'heure. Avec un timbre marqué bonne année. J'ai déjà vu ça. Voilà, simple, efficace, comme j'aime, une carte avec plein de petites perfos rondes. Perfos, non, c'est pas des perfos, plein de petits ronds perforés, voilà, c'est mieux dans ce sens-là, avec un embellissement, oh là là, ça commence mal, un sentiment, voilà, embossé, voilà, très jolie écriture. Bah merci beaucoup, c'est comme d'hab un petit mot gentil, plein d'encouragement, plein de compliments, donc ça fait plaisir, ça encourage, hein, ça motive et ça permet de comment de me dire bah continue comme ça ma coco, hein. Continue comme ça. Bah merci beaucoup. En plus avec le bois derrière, j'aime beaucoup beaucoup. Merci beaucoup, j'aime beaucoup beaucoup. Voilà, je vais la mettre avec mes autres cartes ici. Maintenant, je les regroupe toutes ici parce que des fois, j'en mettais à droite, à gauche, partout. Là, avec mon porte-carte, là, c'est parfait. Comme ça, j'en profite visuellement aussi. Donc, on va continuer l'ouverture. Donc, Adeline, je crois savoir que c'est mon plume. Oui, vu le nom, le prénom, le département, hein. Je crois pas que je me trompe beaucoup. Alors. Ah, c'est mignon, petite enveloppe. I love Santa. Santa, c'est le Père Noël. Santa Claus. C'est très sympa, la petite enveloppe comme ça. Je vais vous montrer. Hop. Petite enveloppe. Et on ouvre. Et on découvre. Oh, c'est un bel embellissement. Joyeuse fête. Un petit embellissement nichoir comme ça. Très sympa. Regardez les petits détails, même les petits fils et tout. Avec du doré, comme j'aime. Bisous. Aline, mon plume. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors, par contre, ta carte est trop petite. Hein. Ah non, ça passe. Non, non, ça passe. Oh, je bouge mes fesses. Ouais, ça passe sur. Je vais la remettre. Bon, je ferai ça après. Hein. Bisous, Adeline. Merci beaucoup, Adeline. Et ton timbre est très sympa. C'est quoi? Mesurer la distance qui nous sépare. C'est des choses de. Attends, hop. C'est des choses de planète. Voilà. Merci, merci. Bim. I love Santa. Je vais l'en mettre avec. Voilà. Hop. On continue. On va ouvrir le colis de Thérèse. Voilà. Okay. Alors, il y a un papier Colissimo là, et puis il y a le papier de mon adresse derrière. Moi aussi, je fais ça parce que quand on arrive à la poste, des fois, on ne connaît pas l'adresse. Enfin, on ne connaît pas toutes les adresses par cœur. Et souvent, quand j'ai un colis à envoyer, eh ben, j'écris toute l'adresse sur le colis. C'est passionnant, hein, ce que je raconte. Voilà, hop. Tadam. Ouh, des petites fleurs. Oh, bah en tout cas, c'est bien, bien protégé. Hein. C'est bien ça.
faudrait que je les garde, c'est pratique ça. Alors, j'ai une petite boîte, un petit truc, un petit machin, et du papier de protection en dessous. Oh, il est plastifié, on dirait, bah c'est une nappe. Vous savez les rouleaux de nappe Bon oui, c'est une bonne idée en tout cas. Ça fait du papier dans le rouleau, il y en a pas mal. Hop, je remets les boudins d'air dedans et je pose le carton ici, comme ça j'ai de la place sur mon plan de travail. Alors, oh, c'est très joli tout en rouge et blanc comme ça. Regardez, une très 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 jolie carte. En plus, tu m'as mis de l'écossais rouge au fond, tu sais que j'adore ça. Pardon. Alors, bonjour Corinne. Oui. 2021 a été ce qui a été, hein, mais bon, faut faire avec. Et 2022, on va faire en sorte que ce soit encore meilleur. Voilà, on va pas partir dans la... Ah, ça s'ouvre. On va pas partir dans la négativité, on va partir dans la positivité. Alors ça s'ouvre, regardez, tac. Oui, parce que j'ai aperçu des petites choses là, je me suis dit, oh, alors, déshabillez-moi. Tac, et tac. Et bah oui, un Bambi, salut toi. Un super beau Bambi sur un fond écossais rouge, j'adore. Hop, je vais refaire le petit nœud. C'est très joli ta carte. Il y a plein de petites choses. J'aime beaucoup. Fallait y penser là, de ces deux. Ah, t'as fait un très joli nœud. Pas sûr d'arriver à refaire le même. Non, il n'est pas très beau mon nœud. Bon, bref. C'était plus joli comment toi t'avais fait. J'essaye, hein. C'est encore pire. Bon, faut que je prenne des cours de nœuds. J'aime bien ça aussi, là, la petite fleur en dentelle. C'est mignon comme tout. Ouais, c'est mignon. Oh, je vous remontre un petit coup, un petit dernier pour la route. Voilà. Derrière, je vous montre pas. Mais il y a une très jolie, un petit die cut, trop mimi là, regardez. Voilà. Ensuite, j'ai des rubans. Alors, j'ai beaucoup de mal à utiliser les rubans, hein, je ne me cache pas. Alors, je ne sais pas si c'est des nouveaux trucs ou des anciens trucs, mais ça, c'est pas grave que ce soit ancien ou nouveau. C'est sympa les plantes là. Regardez, c'est des rubans avec des fleurs, des fleurs dorées, donc j'aime beaucoup. Là, j'aime beaucoup l'univers, le petit café, les plantes, c'est sympa. Les lunettes. Hop, et là, ce sont des mots. Coffee time, ça c'est pas mal. Busy day, ça veut dire un jour occupé. Tout doux, plan. Meeting, what? Home sweet home, ah, c'est sympa aussi. Il y a même un trombone et tout. Non, franchement, c'est sympa. Merci beaucoup. Ça va me permettre de les utiliser. J'en avais, je m'en suis séparée. Parce que je ne les utilisais pas. Voilà, je suis en toute franchise. Hein. Je ne les utilisais pas. Mais là, que je les ai, ceux-là, bah, je vais peut-être me bouger les fesses et les utiliser quand même. Voilà. Et il y a une petite boîte toute mignonne. Avec sur le dessus un petit chat, des fleurs. Très très sympa. Voilà. J'aime bien le papier là, les petites fleurs. C'est des petits motifs tout fins. Puis bon, c'est rose. Alors qu'est-ce qui se cache dedans? Oh, des petits gâteaux. Alors. Des petits gâteaux et des Kinder. Camille va craquer. Bon, je pense que les trois, des trois là, je crois que je vais même pas en manger un. Parce qu'on va me les confisquer. Voilà. Et puis, alors, le petit tag.
Gaufrette fait maison et à déguster avec un petit thé. Oh bah, je sais pas si j'ai du thé à la maison. Si, j'en ai plein, plein, plein. Petite gaufrette fait maison. Mais c'est bien ça. Mais comment tu fais ça? Alors, il faut un appareil spécial. Bon, parce que dans l'appareil à gaufre, ouais, donc, bah oui, forcément, il faut un appareil spécial. Je suis bête. J'ai envie de les sentir. Ah oui, ça sent bon, ça sent le beurre et tout. Je pense même que je vais en emmener à ma pause au boulot cet après-midi. Parce que des fois, on achète des trucs dans la machine. Dans la machine à café, la machine à café, il y a la machine à café, il y a la café, machine à boisson, et il y a la machine à cochonnerie. Et bah, au bout d'un moment, on tourne toujours autour des mêmes choses hein, dans le machin. Et bah, là, je crois que j'amènerai deux, trois petites gaufres et puis je me les mangerai à ma pause. Voilà, tu sais tout, vous savez tout. Je vous fais des gros, gros bisous. J'espère que cette petite ouverture de lettres vous aura fait plaisir. Donc, merci à Adeline, merci à Nathalie, j'avais oublié ton prénom. Et merci à Thérèse. Voilà. Ouais. Non, j'étais encore en train de regarder la carte. Je vous laisse pour le moment et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, là, j'ai rien arrangé, donc je vous laisse direct. Allez, bisous.